Hey, maman, n'angai vraiment mboka na biso. Mokongo vraiment ndeka boloba mboka lengi. Mais mboka lengi ne bolobela ou man a sens moko opposé. Ya vrai sens, ya vrai signification ya mot elengi. Parce que domoni photo ana bozo mona na porte-parole ya gouvernement Patrick Muya et pas à sa geste ana aux populations congolaises au sale. Ça va pas résoudre des problèmes. Tozo na posa na bino bozo ba décision. Président Lobaga a la moindre escramouche. Mais jusqu'à présent, président Lobaga a chuté. Président Lobaga a vendu ça le Parlement. Jusqu'à présent, président Lobaga a chuté. Et puis, président Azan a posaté, il a vendu ça les deux chambres du Parlement pour déclarer guerre. Guerre est déjà. Il y a des photos qui sont de défendre. Guerre est déjà. Ça a posé en vente ça les deux pnites. Bah tu vas couper déjà. Bah tu vas bomber déjà. Bah Congolais va couper qu'on a est. Bah bomber quoi déjà. Mais ils ont le bagage non. On vend ça les deux chambres et parlement pour déclarer guerre. Aussi longtemps tu as déjà la guerre. Nous sommes déjà agressés. Nous sommes déjà attaqués. C'est que le temps ni nuana yo on nous vend ça les deux chambres et parlement. Ti, ce que ils ont combien de temps au moment. En même temps, les Congolais souffrent, les Congolais meurent chaque jour. Mais les autres tanga ba bombe zo kwea. Donc bisoto c'est la yo. Ti au vent ça les deux chambres parlement et que Némilaye ça la 6 mois ba Congolais ba kufa akaka. Mais aussi pour, avant ba on peut pas déclarer guerre ba tropé de sous plus beaucoup de Congolais. Mais aux autres ça la que guerre déjà nous sommes déjà agressés. Donc tant aux déjà agressés, aux autres n'a pas au vent ça les deux parlements ti. Pour vous déclarer guerre. Quand nous sommes agressés, tu déclarer guerre. Si nous sommes déjà agressés, on n'a pas besoin de déclarer la guerre. C'est la seule chose qu'on a besoin, c'est quoi? C'est nous défendre. C'est nous défendre. On n'a pas besoin d'aller encore déclarer la guerre parce que nous sommes déjà agressés et nous connaissons l'agresseur. L'agresseur qui est le Rwandais, qui soutient les fameux M23. Nous connaissons l'agresseur est déjà connu. Même les internationaux, le Anabaro Loba, déjà l'agresseur, c'est le Rwandais qui est derrière ces massacres à l'est du pays. Donc nous sommes attaqués, nous sommes agressés. Babombe quoi, Nagoma, même Bissoto Loba, il faut que tu fasses les deux chambres à Parlement pour avoir après toi redéclarer guerre. Mais ça, c'est l'idiotie. Ça, c'est le contraire. Tout le monde a Makambo à l'envers où on a une constitution qui est mauvaise au commun. Ou bien la constitution est en Angouana Bissoto. Ba dirigeant de bazo ko ta la constitution te po ba sale lango ou bien bazo comprendre de ba test ba komi na constitution te po ba appliquer ango. On déclare la guerre si on n'est pas encore attaqué. C'est là que ko vandi ça le deux parlements po ba personne ni po yo no lingi ko attaquer. Mais là c'est différent, là on est agressé. Tu n'as pas besoin d'aller ko vandi ça le deux chambres ya parlement po senga ba on ba déclarer guerre. C'est bizarre. Ce qu'il faut faire, comme nous sommes déjà agressés, c'est qu'il y a déjà la guerre qui est déclarée. Ce qu'il faut faire, il faut aller maintenant pour défendre notre territoire. On fait que défendre notre territoire en chassant les ennemis hors de notre territoire. Donc, le président n'a pas besoin de faire ça. Pour ce qu'on lobby aux élatis, au fin de les deux chambres à parlement, ça prendra du temps. Pour regarder la vision d'explication déjà, porte-parole na yo Patrick Muya ya lobiango déjà que c'est moyen de déclarer guerre sur exacte parce que il faut tout ça gouvernement sur en place et nous savons comment et nous savons tous que et qu'on attend plus de deux ou trois mois pour botcha. Il faut botcha informateur de ça la marambele, ça prend du temps. Si quand on attend bon que zo kende les innocents, les bébés tués, les femmes massacrées, violées, Nathan Bino Borozoa pour faire des aventures. Pour bon, après, bon, on déclare guerre, tu as combien de pecs de vie. Donc, la vie de votre population ne vous intéresse pas. Ce qui vous intéresse, c'est seulement de mettre en place un nouveau gouvernement. Au moment où vous êtes déjà dans le gouvernement, où vous êtes déjà en train de travailler sur la guerre à l'Est. Nous sommes attaqués. Tozo kende ko attaquer batute tozo ngande to défendre. Non, on n'a pas besoin ya ko vandi sa les deux chambres parlement pour te déclarer guerre. C'est qu'il faut que non, nous sommes attaqués, envoyez les soldats, répondez, défendons-nous
afin que territoire yagome kende na maboka ba rebelle et puis la suite là ya ba gouvernement na bino au moment où tozoko bunda bozo sa ba vanti na bino ya koluka ben informateur tout ça bo luka majorité na parlement puis pour former un gouvernement mais koloba na biso te ke ba kufaka na bango nanu. Donc la vie des Congolais ne vous inquiète pas, ce qui vous inquiète que c'est créer notre gouvernement, un gouvernement nouveau. D'abord, premièrement, vous priorisez ça. Vous priorisez vos métiers, vous priorisez vos intérêts et vous laissez la vie des Congolais mourir. Les vies des Congolais mourir. Non seulement la vie des Congolais, vous laissez la partie de votre pays, de votre territoire s'en aller vers le Rwanda. Wanda a zongo ze la binote pour former gouvernement. Wanda a zongo ze la binote que pour identifier majorité. Les Rwanda ne vous attend pas. Les M21 ne vous attendent pas. Bah, ça, les Angos exprès. Yo, si, bah, boire, qui, bah, bombe, en apprendre. Qu'est-ce parce que, bah, y'a, bigue, vous allez très occupé à chercher les informateurs, à chercher la majorité parlementaire, et puis former le gouvernement. Ils ont fait ça exprès, y'a un bandit qui a attaqué, parce que, bino, bozano, busy. Y'a un loup, babilo, kouana. Et voilà, ils ont raison. T'as là, c'est quoi, bon, les porte-parole, alors, les gars, qui moyen, toi, attaqué, t'es moyen, toi, déclaré guerre des aides. Aussi longtemps, guerre des aides déjà déclaré. Par le Rwanda, par les M23. Bon, bah, moi, bon, déclaré, ni parce qu'il est, il basse, on peut être déjà, bah, bon, mais on croit déjà dans Mboka. Qu'est-ce que vous voulez encore déclarer? Ça, c'est l'idiotie. Allez-y, à la guerre. Et puis, attends, au bout d'un bout, on a bien, la majorité parlementaire, là. Parce que si la population, toute la population n'est plus là, bon, la majorité parlementaire pour diriger qui? Bande des idiots, si. Hein? Bande des idiots.